yaraje mu barabara naragwaye ndaja mu bitaro ngiye mu bitaro ngarutse casanga ntakiri muhira ndabaza babanyi ati umwana wawe tuguma tumubona ayerera mu barabara ndabaza ati none nta wo muntorera baca barambira ati hariho abajejwe agateka k'abana babakuye mu barabara babajanye isonga hama rero maze kubaza baca barantelefona baravuga ati urazura umwana wawe hama casanganye n'abana baraho bariko barabaha inyigisho hama natwe ababyeyi baradutumye ko baraduha inyigisho baratwigisha ingene tuzokwakira abana bagarukanye mu rugo hama haragera igihe nyene barabaduha ubu rero je mbona bimeze neza ku ishuri ntiyarakigenda ku ishuri ariko ubu ariga kandi mwigisha ambwira yuko bimeze neza kuva umwana ashitse mu muryango yego akigenda ubwa mbere karababaye kora numba umengagiye mu bintu bitandukanye kuko uyu mwana agiye mwibarabara barabara ntiri rero yibona ushimirisha iramwe iyeri se ryo ryafashije bakura mu barabara bakabadusubiza mu rugo etwara byakiriye neza gukomeza tugendera abo bana bari muri kacenya mugari basubijwe mu miryango tukongera dufashanije n'ababyeyi no mu kibano kubaha indero ashobore kumenya kungene bitwara mu miryango no mu kibano no mu babyeyi certains ont un âge qui est avancé qui est supérieur aux autres enfants de même classe mais ils essaient de s'intégrer et maintenant nous voyons qu'ils sont des élèves même qui servent de modèles. Nous remercions l'ONG IRC qui a pu leur donner le kit scolaire. Ils ont donné les uniformes, les cahiers, les stylos, ainsi de suite. Et nous continuons à supplier cette ONG pour qu'ils paient à leur place et le 1000 francs qui est destiné à la commune pour aider les enseignants bénévoles. Il y avait auparavant 56 enfants au total et on a fait l'identification des enfants qui sont enfants riz nourricière et enfants en situation de rue. Et on a trouvé qu'on doit rester avec 43 enfants qui sont des vrais enfants de la rue et les autres ont été réinsérés dans leur famille. Et parmi les 43 enfants, on dit qu'il y a 14 enfants qui sont déjà réintégrés à l'école. Nous, en tant qu'organisation, nous avons prévu une enveloppe qui sera octroyée à ces mamans et papas bénéficiaires. Et cette enveloppe servira effectivement à mettre en œuvre les activités qui ont été choisies par chaque membre qui est présent ici dans la réunion. C'est une somme d'ailleurs qui est autour de 500 000 par famille. Après cette somme, alors, nous allons faire le suivi de ces activités choisies par chaque bénéficiaire pour voir effectivement l'état de mise en œuvre, mais aussi pour faire un coaching et aider tous ces mamans pour effectivement que les enfants qui ont été réunifiés ne retournent pas dans la rue. En fait, pour qu'ils trouvent les biens de prise en charge au niveau de la famille, pour ceux qui sont à l'école et ceux qui ne sont pas à l'école. Après avoir entendu l'appel du gouvernement qu'il n'y ait pas des enfants qui trimbalent dans la rue comme ça, l'administration provinciale, bien sûr en collaboration avec les partenaires techniques et financiers, œuvre dans le domaine de la protection de l'enfance, a pris le devant. Oui, nous nous sommes assis ensemble, nous avons
réponse, une méthodologie. Donc, comprenant toutes les étapes de retrait de la vie des enfants et de réinsertion familiale et scolaire de ces enfants. Avant de pouvoir réinitialiser ces enfants, nous avons travaillé avec l'équipe de pilotage que l'administration avait mise en place pour pouvoir identifier les assistants sociaux et les former sur la procédure de préparation et de réunification de ces enfants. Dans ce centre, les enfants ont aussi bénéficié de l'encadrement en petits métiers, notamment la fabrication des savons, la fabrication des beignets, de pain et autres. Projet pour l'amélioration de la prise en charge alternative de qualité au Burundi, un projet qui est financé principalement par la Commission de l'Union européenne. IRC a dans ses activités un programme de protection des enfants, lequel programme couvre plusieurs provinces, dont celle de Gitega. C'est ça les activités qui ont été réalisées. Bien sûr, nous continuons à suivre les enfants et leurs familles pour qu'ils puissent atteindre une réintégration définitive au niveau de leur ménage, dans leur communauté, notamment en appuyant pour la réintégration scolaire et les bonnes pratiques parentales pour que les familles améliorent leurs pratiques pour assurer les besoins de leurs enfants.